Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul en plusieurs parties. Je vous avais dit que je vous referais un petit haul, qu'il y avait des produits qui venaient des États-Unis. J'en ai reçu un mais j'ai pas reçu l'autre. Donc c'est parti, on va commencer par ça. Comme ça ça sera fait, parce que sinon vu que j'ai mis le ventilateur parce qu'il fait une chaleur à crever là, je viens de rentrer du boulot, il est 18h10, il fait 35 degrés dehors. Voilà, donc comment vous dire qu'on va pas se plaindre. On a enfin du soleil, mais il y a du soleil et des nanas. Et mais quand c'est trop, c'est trop. Et tropicaux, voilà, je vais toutes vous les faire les blagues. Je suis en forme aujourd'hui. Autant j'ai eu un coup de mou en début de semaine, quand vous verrez la vidéo, ça fera je pense un petit moment que... Parce que là on est que le 17 juin. Voilà, j'ai eu un coup de mou en début de semaine, deux jours où j'étais complètement flagada. Autant là aujourd'hui, je suis pumped up, pleine de conneries. Donc, allez, trêve de blablatage parce que je sens que ça va être, je vais être relou. Donc, j'ai fait une commande groupée avec Save Makeup et j'ai commandé, c'était quoi, fin avril, je crois, fin mars, ou fin mars ou fin avril. Un truc comme ça, des fards à paupières Terra Moon. Je ne les connaissais pas. J'ai d'autres marques que je mets dans cette palette licorne que j'avais acheté sur Amazon. J'ai d'autres marques et en fait je me suis acheté deux nouveaux fards et ce sont ces deux petites merveilles, donc de chez Terra Moon. Donc j'ai pris deux teintes complètement différentes, hein. Vous allez voir, j'ai pris cette teinte qui s'appelle Tidal Flare. Je vais vous faire après les swatchs qui est juste magnifique. Et j'ai pris la teinte The Cosmos. Voilà, celle-ci. Donc la marque c'est Terra Moon Cosmetics pour information. Donc c'est livré comme ça en petit truc individuel. C'est pour ça que je les mets dans cette palette. Donc je vais vous swatcher les deux. Donc ce sont des fards qui sont duochrome. Donc là, le Tidal Flare, j'espère que vous allez voir, ouais, vous voyez un petit peu le multi-reflet, c'est trop beau, hein. Franchement, ça sur les yeux, je l'ai déjà utilisé une fois parce que j'ai pas pu résister. Sérieusement, on peut pas résister à ça, non. Et j'ai mis donc en ras de cils inférieur, j'avais mis le même jour, le The Cosmos. Lui, il a une texture un peu différente, alors faut faire attention, c'est pas du tout la même texture, elle est un peu plus... granuleuse entre guillemets, hein. Flaky, je sais pas comment on dit. Voilà, The Cosmos, c'est pas trop beau, sérieux. Donc il est bleu avec des reflets un peu multicolores, enfin voilà. Donc j'ai pris ces deux teintes, voilà, qui étaient en précommande et je ne regrette pas. Je vous mettrai les prix quand je les ai. Quand j'ai fait la capture d'écran, quand c'était en précommande, parce que je vous avouerai que je ne sais pas voilà, si c'est encore ce prix-là, ou au pire je mettrai le prix voilà, qui est maintenant sur le site. Mais c'est trop beau, hein. Franchement, c'est multi-reflet et deux teintes complètement différentes, mais j'adore. Franchement, j'adore. Donc ça c'est pour Terra Moon. J'ai fait un achat chez Bleu Libellule, parce qu'il y a un nouveau Bleu Libellule pour les Grenoblois à Voiron. Dans le centre commercial Carrefour, quand vous rentrez dans la zone industrielle des blanchisseries, vous avez, quand vous rentrez dans le Carrefour, dans la galerie marchande, tout de suite à gauche, vous avez Bleu Libellule, juste avant Marionneau. Voilà. Ma meilleure amie habite pas très loin. Et en fait, il y avait un Bleu Libellule qui était ouvert. Et je me suis dit, tiens, je vais aller zioter un peu. Et j'ai bien fait parce que, en même temps, j'en ai profité. Je me suis adhérée au club pour avoir des réductions supplémentaires toute l'année. Et en même temps, il y avait des réductions pour l'ouverture. Donc, j'ai pris. Alors, à la base, c'était pour tester un nouveau vernis semi-permanent, le Péguissage. J'essaye un petit peu de voir les différents. J'en prends un de chaque pour voir un petit peu, pour voir les textures, ça me plaît ou pas. Et après voilà, en tout cas pour l'instant les Madame Glam me conviennent parfaitement, les beautés live
My Polish, ils sont pas mal, ceux qui ont des numéros, mais c'est pas exceptionnel, l'opacité est pas exceptionnelle, mais ils sont très bien, hein. Voilà, pour débuter et tout, c'est correct. Il y a souvent des réductions dessus, donc voilà. Pour l'instant, c'est vrai que c'est surtout les Madame Glam que j'ai utilisé. Vous avez mon code promo hein, de 30% qui est toujours valable. Suivez bien les instructions qui sont en barre d'infos. Voilà, parce que sinon, vous risquez d'être abonné. Enfin, c'est un truc un peu spécial. Mais croyez-moi, sincèrement, le site est très sérieux. Il n'y a aucun souci, hein. C'est un site américain, alors attention, frais de douane possible. Donc voilà, mais après c'est vrai quand on a moins 30%, c'est toujours bien. Je suis très contente des Madame Glam, c'est encore ce que j'ai aujourd'hui. Je vous mets en dessous, hein, en barre d'infos, je vous mets ce que je porte à chaque fois sur les ongles par partie de vidéo. Parce que là on est que sur la première partie, donc là pour l'instant j'ai le rose, mais je vais, ça fait déjà 2 semaines. Quand vous verrez la suite de la vidéo, j'aurai sûrement changé de manucure. Donc voilà, et là c'est vrai que je voulais tester le pégissage. Mais là j'ai pris une teinte trop belle. Je suis partie dans les pailletés. Voilà, donc j'avais envie de tester cette teinte-ci. Le pégissage, ils sont très chers. Très très chers. Ils font 11 ml. Par contre c'est rapide, hein, 30 secondes sous la lampe LED. Ils sont à 17,90 €. Moi c'est vrai qu'avec la remise et tout, j'ai payé 13,61 €, donc c'est correct. Mais sinon ils sont très chers, ils sont à 17,90 € pour 11 ml. C'est pas donné du tout, mais voilà, c'est les e-lac. Donc j'ai pris la teinte Galactic Blue, vous allez voir, il est trop beau. Donc le packaging, il se présente comme ceci, voilà. Je l'ai déjà mis sur mon nuancier, comme ça c'est fait. Ah oui. Donc voilà. Voilà, il est trop beau. Et j'ai également testé en mettant sur un vernis opaque et lui par-dessus, bah d'ailleurs par-dessus le indigo, c'est super joli. Donc je pense, c'est fort probable que je parte là-dessus pour ma prochaine manucure. Voilà, donc je verrai. Ou sinon je partirai dans un ongle 24, un néon comme ça, j'en sais rien du tout. Mais bon, tout ça pour dire que le pégissage, écoutez, la teinte est super jolie. On est sur... c'est bourré de paillettes, hein. Donc voilà, j'ai voulu prendre des paillettes pour changer un petit peu par rapport à ce que j'avais. Mais voilà, donc écoutez, je testerai, je vous en dirai des nouvelles. Et en même temps j'en ai profité, j'ai pris, comme ils ont du NYX chez Bleu Libellule, je me suis pris un crayon NYX. Voilà, j'ai pris cette teinte-ci, trop beau ce crayon. C'est les Epic Wear, c'est mes crayons préférés chez NYX, ils sont vraiment très très bien. J'ai pris le Magenta Shock, il est trop beau, je ne l'ai même pas ouvert. Je ne l'ai même pas ouvert, j'attendais de vous faire la vidéo avant. Mais non franchement il est... attendez ça, j'ai mis le ventilateur parce qu'il fait une chaleur à crever. Ça va tout s'envoler. Donc voilà, la teinte est trop belle. Voilà, il est super joli. Et ils tiennent plutôt bien, je suis plutôt contente de ces crayons. C'est surtout pour mettre en ras de cils inférieur ou même en coin interne, pourquoi pas. Donc ça c'est pour Bleu Libellule. Et j'ai fait une commande sur AliExpress. Bon, je me suis repris des housses de tablette, bon, on s'en fout pour ma mère et pour moi, pour sa tablette et pour la mienne. Mais j'ai surtout pris ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben ce truc mouche. Ce truc mouche, si j'arrive à l'ouvrir. J'ai pas gagné. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment c'est possible? Ah d'accord. Donc j'ai pris ceci. C'est en fait un embout avec du silicone. C'est pour pouvoir mettre la poudre de sirène sur les ongles plus rapidement. Voilà. Au lieu d'avoir un pinceau mousse, au cas où si le pinceau il s'abîme, là avec l'embout comme ça en silicone, franchement c'est juste parfait pour appliquer la poudre sirène. Donc, et ça c'est très bien pour faire les petits détails et tout s'il y a besoin. Franchement ce double pinceau silicone est vraiment bien. Donc, voilà, j'ai pris ça. Donc ça c'est pour AliExpress, j'ai pris que ça, hein, rien d'autre. Et j'ai récupéré ma commande Maki Beauty Maki Lalia. Voilà, forcément j'ai recommandé des fards Constance Carole. Voilà,
Donc j'ai repris. Combien j'ai repris de phare? J'en sais rien du tout. Il y avait moins 25% sur la commande. Ouais, il y avait moins 25% sur mes achats, donc c'est cool. Alors j'ai pris la teinte. J'ai essayé de prendre des teintes que je n'avais pas, forcément. Voilà, et j'ai essayé de prendre un petit peu ce qu'il y avait. Parce qu'il y avait pas mal de teintes qui étaient en rupture de stock. Donc j'ai pris la teinte numéro 13. Je vais vous les montrer hein, comme ça. Ça, c'est la numéro 13. Ça, c'est la numéro 11. La numéro 38. La 51. La 14. La 53. La 49. La 24. La 7. Et le numéro complémentaire, la 52. Voilà. Donc j'en ai pris 10. J'en ai profité. Et ben j'ai pris pour tester le nouveau mascara Sky High de chez Maybelline. La version. Comment il l'appelle? Bonne question. Le Cosmic Black. Voilà. Et donc qui a une brosse comme ça. En silicone. Voilà, très bien. Je pourrais tester et je vous en dirai des nouvelles parce que j'aimais beaucoup le Sky High normal, mais je l'ai terminé. Donc voilà. Et c'est vrai que là, le fait de tester cette version, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà pour mes achats pour l'instant. C'est déjà pas mal. Et je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec des colis. Voilà, que j'ai reçu. Parce que j'ai acheté des palettes. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. Tout d'abord, bon forcément, moi aussi j'ai craqué. Hein. Alors faut que je vous montre un truc. Alors, il y en a qui vont dire c'est pas très écologique. Oui, certes. Bon, Sephora sont très écologiques. Peut-être un peu trop écologiques. Parce que je vous montre le colis Sephora. Voilà, je l'ai montré sur Instagram. Juste pour voir la différence en fait. Donc le colis Sephora, vous avez un papier. Point barre. Vous avez vos échantillons, donc ça c'est des échantillons pour hommes que je vais donner au mari de ma collègue, parce que mon père ça l'intéresse pas du tout, et dans les échantillons il n'y avait rien d'intéressant pour moi, donc voilà, et la palette au fond, sans protection aucune, voilà, ça va, vous voyez, et j'ai beaucoup de chance, parce que ma palette Anastasia Beverly Hills, la nouveau palette, est arrivée intacte. Je suis très contente, ouf. Donc voilà la palette. De toute façon quand vous verrez le haul, j'aurai déjà fait une vidéo dessus. J'aurai déjà testé parce que voilà. Là au moment où je vous filme, j'ai reçu le colis il y a quelques jours. Je n'ai pas encore testé la palette. Moi on est vendredi soir, je testerai la palette demain. Donc vous aurez vu déjà la vidéo fin juin. Donc voilà comment elle se présente. Je pense que voilà. Quand vous verrez ce haul, vous l'aurez déjà vu en long, en large et en travers, en plus de ma vidéo. Franchement, cette palette, c'est une pure bombasse. Hein. Elle est trop magnifique. Franchement, trop, trop belle. Donc, voilà. J'ai hâte de la tester, hâte de voir ce que ça vaut. Et ravie. Et donc ça, c'était Sephora. Et j'ai fait une commande sur le site américain Adept Cosmetics qui vend des palettes qu'avec des fards multichromes. Truc de fou quoi. Et en fait, une de mes copines m'a dit, Audrey, il y a une palette où c'est que des multichromes. Et il paraît que cette palette, c'est de la bombe atomique. Je me suis dit, bon. Et en plus, elle m'a dit, il y a moins 20%. Ah, ça m'intéresse. Donc j'ai fait une commande sur le site de Adept Cosmetics. La palette coûtait, en fait elle m'a coûté avec les frais de port, puisqu'il fallait payer aussi les frais de port, 57 euros ou 58 euros. Ça a mis une bonne vingtaine de jours à arriver. Et frais de douane, attention, j'ai eu 19 euros de frais de douane parce que j'ai payé, enfin mes parents ont payé au facteur. Et ma copine elle en a eu pour 13 euros parce qu'elle a payé en ligne. Bon, moi je vous avoue que j'ai pas reçu de mail comme quoi je pouvais payer en ligne. Donc bon, vu que je savais pas trop, ben j'ai attendu que le facteur arrive. Donc je savais hein, qu'il allait avoir des frais de douane, mais on m'avait dit 7-8 euros. Bon bah
J'ai eu 11-12 euros en plus. C'est pas grave. Alors tout ça pour vous dire que le colis Adepte Cosmétique est beaucoup plus gros. Alors pas très économique certes, mais alors dedans les protections, franchement la palette si elle se casse, c'est impossible, enfin c'est pas possible quoi, c'est impossible, sinon le livreur il a carrément jeté de toutes ses forces contre un mur ou il a roulé dessus, c'est pas possible. Donc vous avez du papier, attendez parce qu'il faut que je passe comme ça, vous avez ensuite ça emballé et du papier encore au fond, non mais, et là-dedans vous avez donc papier bulle, parce que j'ai déjà ouvert hein, mais papier bulle hyper épais. Attendez, papier bulle, un peu moins épais, mais papier bulle normal. Une boîte, comme ça, Adepte Cosmétique, avec à l'intérieur, hop là, donc une protection en carton. Donc la protection, hop, on l'enlève. Plus d'espèces de polystyrène hyper, enfin pas du polystyrène, mais du plastique très dense. Et la palette est dans le plastique très dense. Donc vous pouvez enlever ça. Ah non mais désolé, hein, ça vient de partout. Mais, et vous avez ensuite la palette dans le plastique très dense. Voilà. Et en plus, vous avez une protection en plastique par-dessus. Donc ça, je l'enlèverai hors caméra parce que voilà. Et vous avez donc la protection pour la palette comme d'habitude. Un miroir et une palette, mais waouh quoi, laisse tomber, trop magnifique. Et c'est que des fards à effet, les fards sont tous à effet et c'est juste sublimissime. J'ai envie que d'une chose, c'est tester cette palette, donc voilà. Mais bon, je vais en priorité faire la vidéo sur la Anastasia Beverly Hills. Forcément, puisqu'elle est dispo en France, elle est dispo chez Sephora, elle est dispo chez Beauty Bay. Donc forcément, ce sera la vidéo que vous aurez vue en priorité. Mais je vous ferai une vidéo où j'utiliserai la Plain Jane Remastered de chez Adepte Cosmétique. Où voilà, je vous parlerai de cette palette et puis j'utiliserai d'autres produits en même temps. Et voilà, donc très contente d'avoir cette palette également. Donc voilà. Voilà pour la suite de ce haul et puis je vais vous laisser avec encore la suite parce que je pense que dans encore la suite il y aura des soldes parce que vous allez voir à ce jour j'ai fait la commande sur un site et ça s'est arrêté là, voilà, parce que chez Sephora en tout cas à ce jour on est le 24 juin. Rien d'intéressant, je vais attendre des réductions supplémentaires des 10%, vous savez, qui arrivent après quelques jours après le début des soldes. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant hein, en ce moment chez Sephora. Pourquoi? J'en sais rien. Donc voilà. Ouais, donc je vous laisse avec la suite juste après. Donc on se retrouve dans la suite de ce haul avec un produit que je me suis acheté sur le site de Pat McGrath. J'ai craqué pour le blush, Divine Blush Duo de chez Pat McGrath. J'ai pris la teinte Venusian Sunrise. Franchement, je pense que je ne vais pas regretter. Pas du tout. Alors, le packaging, c'est le même, comme d'hab. Et voilà la beauté. Franchement, il est trop beau. J'ai bien fait de prendre ce duo un peu donc rose et violet. Voilà, donc je verrai ce que ça donne sur les joues. On testera, hein. Parce que j'en ai aucune idée, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc j'ai pris directement sur le site de Pat McGrath quand c'est sorti. Voilà, donc franchement, bien contente de cette petite... Alors, c'était pas donné, mais bon, que voulez-vous? Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Sephora, en même temps que des produits qui étaient en dernière des marques soldes. Et j'en ai profité parce qu'il y avait moins 25%. Sur les produits, donc j'ai pris le nouveau petit blush de chez Benefit, le Starla, voilà, j'ai pris le nouveau bébé et comme il était en mini ça tombait bien, donc j'ai pris cette teinte-ci qui m'a l'air ma foi plutôt pas mal, ouais, il a l'air très beau, donc on testera. J'ai également pris
Un parfum que je voulais prendre, un parfum frais pour l'été quand il fait super chaud. Le Solinote, la senteur fleur d'oranger, parce que j'adore cette odeur. Et en plus, il a reçu une victoire de la beauté 2021-2022. Et c'est un produit clean. Donc voilà, pour les adeptes des produits comme ça clean, je vous dis franchement, quand j'ai reçu le colis, j'ai ouvert, j'ai fait ah, j'adore. Mais vous savez quoi, je vais en mettre. J'aime trop. Donc voilà, j'ai pris ça. En plus, c'était vraiment, mais vraiment pas cher. Mais non, il n'était pas en solde. Oui, non, il était moins 25%. Je sais même plus ce qui est en solde, ce qui n'est pas en solde. Bon, bref. Voilà. Et j'ai pris deux crayons de chez KVD, les Tattoo Pencil Liner. J'ai pris deux nouvelles teintes. J'en ai déjà deux. Et là, j'ai pris le Azurite Blue et le Dioxx Purple. Donc, je vais vous les montrer. Ça a l'air fort champatoche. Donc, le Azur. C'est une blague. Donc, voilà, le Azurite Blue. Bon, espérons que violet ne fasse pas la même chose. Il est vachement intense, hein. Et donc le Dioxx Purple. Ça va. Hop, j'aime bien. Ça sera très bien pour les traits de liner. C'est assez foncé, même en muqueuse et tout. Donc voilà les deux nouvelles teintes que j'ai pris de chez KVD qui sont très bien. Et bah, c'est tout. Donc voilà. De toute façon, je pense qu'il y aura une autre partie juste après. Ouais, c'est fort probable. Parce que je vais aller faire un tour en ville. Donc forcément, quand je vais faire un tour en ville, c'est rare quand je reviens les mains vides. Donc, on se retrouve avec la suite juste après. Alors, on se retrouve à la suite et fin de ce haul. Je pense que ça sera la dernière partie de ce haul avec MAC. J'ai rien trouvé en solde, mais par contre, j'ai acheté des trucs. Voilà. Donc, est-ce bien raisonnable? Non, mais c'est pas grave. Je sors mon petit ticket. Hop. Alors, j'ai repris un Fix Plus. Cette fois-ci, j'ai pris la version Coconut. Je l'avais jamais pris en Coconut. Et voilà, le Fix Plus, voilà, je l'avais terminé. Et je vous avoue que là, je crois qu'il me reste un Urban Decay. Là, je suis en train de finir celui de chez Sephora. En fait le packaging était pourri, donc je vous en reparlerai quand je ferai les produits terminés. Et je teste également Essence je crois. Ouais, mais bon, le Fix Plus je vous avoue c'est quand même un de mes fixateurs préférés. C'est assez rafraîchissant, fixant, donc voilà, j'ai pris la version à la noix de coco. J'ai pris trois produits. J'ai pris un produit qui existe déjà depuis longtemps chez Sephora, les Dazzle Shadow Liquid, donc les fards à paupières liquides en teinte Diamond Crumbles. Donc, ah oui, le Fix Plus, il était à 24€. Voilà. Parce que j'ai le ticket là, donc j'en profite. Hein. Alors, j'ai pris un fard à paupières liquide. Donc, celui-ci, c'est le. Il est à 24,50€. Donc, j'ai déjà le rayon Raise. Donc, Rayon Raise. Qui est un peu marronné. Et celui-ci est holographique et magnifique. Voilà. Trop beau. Franchement, il est magnifique. J'aime beaucoup. Donc, j'ai pris ça. Alors, je sais que les filles chez MAC, elles l'utilisent sur les lèvres également. Sur un rouge à lèvres liquide mat ou sur un crayon. On peut mettre ça. Ça rend super bien. Donc, j'ai pris ça, voilà. J'ai repris un crayon Color Excess. Je vous avais dit que je mets beaucoup ces crayons, ils sont vraiment très bien. C'est ce que j'ai aujourd'hui en trait de liner et en rat de cils en muqueuse. Donc j'ai pris le violet, le Commitment Issues. Donc c'est le lila, tout simplement. Le lila, parce que franchement, ces crayons, ils sont très très bien. Voilà, donc le lila, hop, je vais vous swatcher. Voilà, il est juste là. Il est super beau et lui, ça va être à claquer avec les yeux verts.
J'ai hâte de l'utiliser. Et dernier produit, c'est une nouveauté de chez MAC, le Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick. Tout ça. Voilà. Ah oui, donc le crayon, j'ai oublié de vous donner le prix, 25 €. Et le rouge à lèvres, ils sont plus chers que les autres. Il est à 31 €. Voilà. C'est plus cher que les rouges habituels. Mais là, on est sur des nouveaux rouges à lèvres. Je vous avoue que j'ai même pas regardé. Ah oui, ça tient 12 heures. Alors, je pense pas que ce soit sans transfert. Mais c'est un effet mat, confortable sur les lèvres. Et voilà. Donc, voilà le packaging. Très beau. Et voilà la teinte que j'ai pris. Voilà. Donc, c'est le Over the Top. Parce que j'aime ce genre de teinte. Voilà la teinte que j'ai pris. Voilà, c'est celle qui me plaisait le plus, donc j'en ai pris une pour tester. Et puis s'ils font des couleurs un peu plus rosées, trucs comme ça, pourquoi pas. Donc voilà, je testerai ce rouge à lèvres, je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, je ferai un make-up, je pense, avec ces produits-là. Donc voilà, voilà tout ce que j'ai pris chez MAC, c'est déjà pas mal. Alors, j'intègre ici deux nouveaux produits que j'ai reçus là à l'instant. Je rentre du boulot, je suis toute transpirante, je n'en peux plus, je dois briller. J'ai essayé de faire un coup de roll-on, Revlon, mais à mon avis je suis beaucoup trop transpirante. Donc c'est pas grave, je vous montre quand même vite fait les deux produits, parce qu'on, voilà, je rentre du boulot, on est mardi soir. Il y a ma vidéo qui vient de sortir justement des produits, ma wishlist et l'anti-haul qui vient de sortir ce soir. Donc si vous ne l'avez pas vu, cliquez là. Moi j'en profite, j'intègre ces deux produits là juste avant, parce que le montage est déjà fini. Mais c'est pas grave, je vais quand même l'intégrer là. J'ai pas remis de rouge à lèvres, on s'en fout. Je veux juste vous montrer deux produits. Je vous avais dit que dans ma wishlist et anti-haul, il y avait un produit que j'avais intégré dans ma wishlist parce que franchement je voulais trop tester et que je l'avais acheté. C'est le rouge à lèvres Rare Beauty Kenwards, donc rouge à lèvres matte. Donc j'ai pris la teinte Humble. Je vous avais dit que j'avais pris Humble parce qu'il était plus dispo dans mon Sephora. Et hop, je sens que je suis en train de retranspirer. Oh, je me dépêche. Donc voilà comment se présente le rouge à lèvres. Voilà, en même temps j'ai refait mes ongles. Je crois pas, non, j'avais pas filmé ce que je les ai fait dimanche. Donc je vous mettrai également le lien de mon vernis semi-permanent Péguissage pour info. Et donc j'ai pris cette teinte, voilà, qui est très jolie. Je voulais faire des... Non, je vais pas faire des photos. Non, je vous swatch. Voilà. Trop jolie. Je vous ferai pas de vidéo où je teste ce produit parce que la vidéo est déjà tournée avec justement certains produits de ce haul. Donc je vous ferai soit un réel sur Instagram, soit je mettrai en story et je l'impinglerai sur Instagram. Sinon, ça sera une vidéo sur TikTok. Je ne sais pas encore, donc on verra. Donc voilà. Donc j'ai pris ça. Et j'ai également pris un gloss de chez Anastasia Beverly Hills de la nouvelle collection. J'ai pris la teinte Amber Sparkle. Et donc voilà comment ça se présente. Franchement, c'est trop beau. Donc voilà la teinte. Franchement, il est trop, trop beau. Donc voilà pour les deux produits. Ça, c'est pareil, je vous montrerai. Je suis en train de crever de chaud. J'ai pas mis de ventilateur, mais pour juste deux produits lèvres, je me sens toute dégueulasse. Bon, allez. Donc voilà pour les deux produits que je voulais vous intégrer dans cette vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram et sur TikTok, au cas où. Voilà. Parce que je sais pas encore sur quel réseau social je vais vous montrer le gloss et le rouge à lèvres. Bon, déjà c'est sûr, sur Instagram c'est sûr, ça sera en
Ça sera dans les stories, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, peut-être que j'ai envie de faire un TikTok où je vous montre ce rouge à lèvres. Je verrai. Mais voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Donc voilà, allez, je vous laisse avec la conclusion juste après. Donc voilà pour la dernière partie de ce haul. Je vais m'arrêter là, je pense que c'est pas mal. Ouais, je vous ai déjà montré plein de choses, des crayons. J'ai pris vraiment beaucoup de choses. Mais ouais, je suis bien contente. Bien contente de mes achats, donc et puis j'ai repéré encore d'autres choses chez MAC, ce qu'elle m'a mis là sur le corps et tout, c'est des paint pots, elle a mélangé des teintes et tout, c'est super beau, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais des petites paillettes et tout, c'est très beau, donc c'est une excellente idée, parce que moi j'ai un paint pot qu'on m'avait fait en échantillon, un peu un doré vraiment intense, vraiment jaune, et c'est vrai que je sais pas trop comment l'utiliser, et c'est une super idée. Voilà, et même des highlighters, vous savez, qui sont trop foncés pour votre carnation. Si vous ne le sentez pas, mettez-les sur les épaules, là, dans le creux du cou. C'est super joli, même sur les clavicules. Hein. Ça peut être très joli, donc voilà. Voilà pour mes achats. Voilà pour la dernière partie de ce haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je vous partage mon make-up avec tous ces produits que j'aurai utilisés et testés et tout. Je vous partagerai tout sur Instagram. Bien entendu, vous verrez les maquillages que j'aurai réalisés avec. C'est fort probable que je fasse... oui, je dis que je faisais une vidéo en utilisant ce produit-là. Je vous montrerai également la palette Adept Cosmetics parce que c'est encore ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. J'en suis très contente. Je vais vous faire une vidéo où je teste les blushs. Je pense que vous aurez déjà vu cette vidéo. Ouais, je pense que je vais vous faire un make-up avant de vous publier ce haul. C'est pas grave. De toute façon, le but est de vous montrer les produits en action, voir ce que ça donne. Est-ce que ça valait le coup de les acheter? Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!